monde. Bon, oui, bah, j'arrive pas à dormir. J'ai mal au dos, mal partout. Donc, je nous ai préparé. Déjà, j'ai fait cette petite carte-là. Petite merveille. Donc, elle est en train de sécher. J'ai fait celle-ci. Celle-ci, celle-ci, il y a du foil partout, celle-ci. Donc là, il m'en reste trois encore à faire. Donc je me suis dit, bah, je vais les faire en vidéo. Donc, je vais dégager le maximum. Donc, c'est avec les chutes des cartes chevalet. Il y a des grandes chutes. Donc, je les ai juste pliées en deux. Et ça fait. On arrive à quelque chose comme 15-8 sur. 5 pliés. Donc j'ai enlevé 5 mm de chaque côté pour faire le fond. Voilà. Ça fait un beau fond. Je mets une image de dame et le tour est joué. Ça nous fait des belles cartes. Donc j'en ai 3 à faire. Je vais essayer de vous montrer sur mes mains. On va pousser celle-là. Voilà. Ah, parfait. Parfait, parfait. Donc, je vais mettre ça de côté. Et on va coller. Donc là, j'ai choisi ce papier-là avec les plumes. J'ai encore mal au dos, mais bon, je fais avec. Voilà. Hop là, je commence à avoir le coup de main. Parfait du premier coup. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était pas parfait ça? Du coup, il n'y a plus qu'à aplatir comme il faut. Et le tour est joué. Maintenant, on va passer à la jeune femme. J'ai presque plus de colpatex. Ah, si c'est ça, je passerai la colle à bois, hein, à l'autre, hein, qui est plus liquide, mais bon, tant pis. Voilà, on colle à peu près au milieu. Et voilà. Une de faite. Après.
aussi du papier craft avec le même fond, mais une autre dame. Voilà. 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 Ah oui, j'ai le compas dans l'œil, hein. Vous allez me dire, c'est très très tôt, c'est très très tard, mais bon. Quand on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à dormir. Mais je pouvais plus faire de live. J'étais trop fatiguée. Et puis arrivé là, et ben, j'ai trop mal pour me coucher. Ben, ça fait ça. Et voilà. Hop là, les droits de fait. Hop, et on peut les ranger tout de suite. Voilà. Puis du coup, celle-là, bah c'est presque sec encore. Encore un petit peu. Mais c'est parfait. Alors pour répondre aux questions, oui, bien sûr que j'emmène mon matériel. Je ne vais pas rester sans scraper, je ne peux pas. Je ne peux pas rester sans scraper.
Bien sûr qu'il y aura mon matos. Il y en a dans la valise, il y aura des sacs. Et en plus, le trépied. Les trépieds. Donc voilà. Le plus important, c'est ce que je viens de déballer. Donc, je réemballerai comme il faut. Je vais me faire une pochette. Alors, je ne sais pas si ça passe dedans. Non. Non. À moins que je coupe. Ah bah, je ne veux pas couper là. Il va falloir que je me les prépare ou alors que je vais prendre une pochette. Prendre une pochette pour ça. Dedans. Vais peut-être découper celle-là. Excusez-moi, c'est vrai qu'il me gratouille. Donc du coup, hop, c'est bien emballé. Et je vais faire celle-ci. Avec les fleurs. Voilà. Heureusement que c'est pas parti loin. Alors, regardez comment qu'elle est jolie. C'est joli, hein? Voilà, ça, pourquoi ça colle? Là. J'ai encore des chutes. De chute, je vais étrier d'ailleurs. Peut-être faire un carton. Et marque-page.
les chutes que j'ai. Ça va, je suis fou sur la nuit. Voilà. Voilà le coton. Bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Je vais redimensionner ça. Ça. Ça va là. On va voir. C'est à peu près tous ces mêmes dimensions. Ça fait arranger. Et en vert. Ah, il faut que ce soit à l'endroit avec moi. Bon, je vais vous montrer ça. En fait, c'est des cartons. Voilà. Des cartons comme ça, cette dimension-là. Je vais mesurer, puis j'ai peut-être recoupé. Si j'arrondis à 10, moi je vais arrondir à 10, je vais voir avec le massicot comment ça fait. Massicot. Moins que ça. 9, ça fait quoi? Huit et demi. Ouais, 8,5. Ça fait un beau rectangle. Excusez-moi, j'ai toujours le poil sur le nez. Donc ça. Alors, 8,5. Allez, c'est parti. L'autre côté. Combien? 11,5.
bien. Il y en avait des plus grandes. Mis de l'autre sens. Non, de l'autre sens parce que c'est pas beau. 8,5. Et là, le quai bandole. Allez, on enchaîne. On enchaîne, ça nous fait des cartons comme ça. Ensuite, je vais peut-être avoir besoin de ça. Je sais pas quoi en faire, je vais mettre là. Peut-être avoir besoin du massicot pour couper des bandes de papier. Alors là, c'est plutôt de ce sens-là. Mets ça là. Je fais comme d'habitude. Je commence l'angle. Et je vois où est-ce que je dois. Voilà. Je vais coller ça comme ça. Ça ira super bien avec. Donc je vais voir. Je dois. Oui, j'ai une autre bande. Ça va aller super bien. Le problème, c'est que ça va dépasser. Bon, je vais voir. Déjà ça. Je vais prendre la colle UU ou celle-là. Je vais pas cacher ma colle à papier. Ça fait des fils. Ça doit être de la Takiglou. Marqué colle tout. Oui, c'est bien la texture de la Takiglou. Et puis ça sent la Takiglou, hein, de toute façon. Alors, on va de là. Ciseaux.
côté. Je regarde où je peux la mettre. Oh bah, c'est tout collé. Non. On met plein partout. Ça colle au doigt. Hein. Voilà. Vais mettre une grande bande. Je vais la tenir. Et je vais couper. Coin. Voilà. Puis ça se voit même pas le raccord. Donc ça donne ça pour un son. Ensuite, je vais prendre ces deux bandes-là de l'autre côté. Un bout.
ceci. Comme cela. Donc, voilà. Une grosse bande. Voilà, je couperai au besoin. Il y a besoin. À ce moment-là, j'ai plus le compas dans l'œil. Ensuite, il me faut un bout. Voilà. Parfait. C'est le Bronx. Hein. Ah ouais. Tant qu'à faire, on en met partout. Ah, pas sur les doigts. Qui déborde. On se base voilà, pour recouper. De l'autre côté, donc il manque juste un petit coin.
Je vais mettre de la poudre de tuiles sur le coin. Voilà, et ça fait des fils. Et on va couper. D'un côté. Et de l'autre. Et voilà. Une jolie petite carte. De près. C'est trop joli. Donc ça. Il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. On utilise les. Les chutes. Désolée, mais là j'ai mal. Donc le mieux, déjà on garde précieusement les gros bouts en éliminant les petits. Voilà. Quoique ces petits bouts là, ça peut servir. Celui-là est tout petit. Celui-là aussi. C'est des fleurs, donc ça passe partout. Alors, ce que j'aime bien faire, après, c'est un coup. On arrondit les angles. Et tout de suite, ça a du charme. Voilà. Donc, et ben, pour le massicot, je vais faire des lamelles. 1, 2 cm, 1, ça fait petit, 1,5, ouais, 1,5, 2, ah bah, et travers, bah, ça sera de travers, c'est là. Éliminer ce qui est de travers. Voilà. Ça colle au doigt. Ensuite, 2 cm. Voilà, ça fait des bandes plus larges. Là, je vais faire 2 cm directos. Parce que le dessin, il se verra pas sinon.
prépare le terrain. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'œuvre. Ah, zut. C'est un verre. C'est un verre. Il y a un sens à celui-là. C'est à l'envers. Ah, pour celui-là, je ne le mettrai pas parce que c'est pas la même texture. C'est beaucoup trop épais pour que ce soit mis sur ces genres de cartes. Ça va faire une démarcation, donc ça ira pas. Là, il y en a deux. C'est comme ça. Une large. Comme ça. Non, je mettrai comme ça. Non, ça me paraît à l'envers. Ça. Celle-là, ça va dans tous les sens. Donc ça, je vais me bloquer là. Je vais voir si ça va pas dessus. Si ça va dessus, je peux faire un entier. Et ben c'est parfait. Il manque juste à couper un petit peu. Donc, on va enlever 1 mm ou 2. Voilà. Ça va pas, ça me plaît pas.
rose, pas non plus là. Bon, bah, je vais mettre comme ça. Je vais faire ça. Un col. Voir si on va coucher. Bon, ben, je vais arrêter là. Hein. Me paraît beaucoup. Hein. Voilà. Presque 50 minutes, là, je peux plus. Je vais encore m'amuser à faire des bandes. Certaines qui vont, j'ai pas besoin de recouper celle-là-ci. Je vais voir si ça va pas. Si, il n'y a rien à recouper. Pratiquement. Ah,
ongles, c'est un peu gênant. C'est pas lol. Maman, on va faire 1 heure, hein. Donc, préparer tout, c'est long, Bah, je vais finir les bandes de papier. Celle-là. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà. Les bandes de papier. Je vais mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir les bords. Coince. Bon, hop, je vais mettre de l'autre côté. Hop, là, comme ça. Là, j'arrondis aussi. M'arrête là.
faire une pause. Il me reste combien? 4. Ouais, il me reste 4 à faire. Mais là, j'en ai fini avec le masticot. Je vous dis à plus. Parce que j'attends que ce soit en route la vidéo pour en faire une. Donc là, il y a déjà des 1, 2, 3, 4. J'ai fait la moitié. C'est déjà pas mal. Ce qu'il y a, c'est que faut pas mélanger les épaisseurs de papier. Voilà. Donc je vais faire avec ce que j'ai. Et puis on verra bien ce que ça va tenir. Je vous dis à plus. Et voilà.